Kiko dans le monde, Kimoman ici, sur Assassin's Creed Odyssey. Avec la prétention de nous asservir, j'ai une meilleure idée. Ah ouais, rien qu'avec sa main, lui. Alors, il arrive à tuer, hein, mec. Hein, tombe le cou avec sa main, mais quelques coups de pied lui fait tomber par terre. Ce gosse c'est Binks. Oh, qu'est-ce que je dois faire, moi, ici? Oh, comment je fais pour attaquer? Je sais pas qui j'attaque, hein. Mais tant pis pour vous. Oh, oh, je peux attaquer. Oh, désolé, j'attaque mes propres gars, moi, ici. Et ils ont de super pouvoirs, hein, les Spartans. Je savais pas qu'ils étaient aussi Spartek que ça. Spartek, Spartek. Ah mais attends, je suis bête. Bon, ça fait quoi? Oui, j'utilise mon propre gag. J'adore. Non, il y en a un niveau 40 là. Il y a un niveau 40 là. Oh, il y a encore un niveau 40. Non, c'est trop facile, c'est trop. Oh, et un couche pas. Oh, j'adore. Oh, les chemins étroits. Il a volé. Oh, il a disparu. Oh, 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 c'est quoi ça là-bas? Oh, 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 oh. Ah, bah, c'est ça que je devais faire en fait. Ça va faire 4 minutes que je m'amuse à faire ça et je devais aller de l'autre côté. Ok, bon, ça c'est fait. Aou. 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 Maudit Spartiate, je porterai ta tête à Xerxès. De quoi? Xerxès envoie ses moutons au sacrifice. Approche-moi. Waouh. Youhou. Ah non, je dois maintenir. Ok. Je peux l'attaquer déjà, comme ça c'est fait. Ouh. Hi. J'adore. Wouh. Wouh. Wouh! Ouais, je peux déjà commencer l'attaquer là parce que je m'ennuie là. Ah! Non, elle est un pas! Tiens, pas ça! Non, moi non plus d'ailleurs. Moi non plus. On va faire un petit val en arrière là. Ouais! Il parle beaucoup pour pas grand chose. Il a parlé pour pas grand chose. Ouais. Trahison, mon roi. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aurait anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les pères ne pourront jamais oublier. Pardon? Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. The Kim Woman. Par-dessus. Dis-moi que je pourrai les battre. Tiens, prends ça. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait à Cyclops? T'as pas voulu prendre rendez-vous avec lui? Quoi? Coco? Ah, qu'est-ce que t'as encore fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Fouibé. Ben voyons. Sers-toi, je t'en prie. Ben merci, c'est déjà fait. Tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Quoi? Un vignoble?
Malaka. Depuis quand il a un vignoble? Bah depuis qu'il en a acheté un. Hier, je crois. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Foibé. Ah, rien n'est gratuit, bien sûr. Même à cette époque-là. Je vais dire à Marcos que tu as... Mais non, lui dit... Là, ils se réveillent, ces deux-là. Oh, ma tête. Boum. Prends donc une corune. Ouh. Choix. Vos choix auraient des conséquences. Oh, God. Réfléchissez bien à certains de vos actes. Zut. Pourquoi? Arf. Je suis trop gentil. Dégagé. Et dites au Borne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai un peu. Quoi, t'es pas en tenue là? D'accord, ok. Récupérez votre équipement. Ah, pour grimper. C'est comme ça dans presque toutes les Assassin's Creed. Really? Tu as mis en haut? Tu pouvais pas être comme tous les autres êtres humains de cette planète et le mettre ici à l'intérieur? Piche, piche. Allez, on y va. Mais là, il y a de l'armure. Mais prends cette armure-là sur le truc que t'as sur toi, là. C'est quoi cette bonne femme? T'as de l'armure partout, t'as des lances partout et tu te balades avec ça. Oui. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Allez, on y va. Non, t'es qui, toi? Zeus? Je connais absolument rien. Mais rien dans la mythologie grecque. Je préviens déjà tout de suite. Je suis là, je suis en train de voler. Ouh, désolé. Je suis... Wow, quoi? Excuse me. Ouh. J'aurais dû le tuer. Attends, il est où l'archer là? Tiens. Je vais mourir. Wow, ils sont beaucoup plus balèzes que moi, ceux-là. Et eux, ils ont de l'armure, eux. Ah bah la prochaine fois que je tabasse quelqu'un, je lui dis t'es mort. Ah oui. Ah oui. Ça c'était chiant. Oh oui, je me rappelle de ça. Oui. I believe I can fly. I believe I can... Touch the sky. C'était quoi toi? C'était quoi? Je peux pas que ça c'était un chien. Attends, t'as un chien toi? Oh my god, t'es pas un peu grand? Prêtez pas attention à moi, hein. Je vais juste voir s'il y a pas des trucs à voler. Oh, t'es mignon toi, le mulet. T'es un mulet? Personne me voit. Toi tu marches par là. Et on court. Oui, maintenant tu te lèves. Ouh, il vient m'attaquer. Ah non, je pensais qu'il allait m'attaquer parce que j'ai volé quelque chose. J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Je peux faire de la bière. Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol et ensuite on fait du jus. Et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un principe du vin. Marcos a toujours ça plante, ça pousse, ça fait du jus. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois. Allez, on y va. Ok, bah où, en fait? J'ai bien parce que je suis prêt à y aller. On y go. On va où, en fait? Allez. Ok, bon, on y va. Ok, ça commence déjà fort. Ok, hop, on monte et on recommence. Poussez-vous. Oui, y a personne en fait. Les voix. Je vais surprendre ces. Ah bon, voilà. Oh non. Oh, je voulais pas les surprendre. Je vais arriver à cheval et sauter dessus. Ah. Le cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. J'adore la petite idée. Tais-toi, Foibé. Je l'adore, la petite. Et oh, ah oui, mais laisse-moi. Je vais me cacher dans ces hautes herbes. Eh, viens là, je peux t'assassiner. C'est quelle touche? Y.
Je trouve. Je peux pas laisser s'enfuir tous ces malakès. Ok, tu sais qu'il y a juste un petit coup dans le cou là, ça aurait été. Hein. Oh, viens là et arrête de demander qui a sifflé. T'es un homme, t'es curieux. Je le coup de douche. Oh purée, quoi. Brutal. Ok. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Oh, m'avait dit pas qu'on va avoir un flashback hein, qui va me déprimer. Hein. On me fait un flashback ou je vais déprimer. Accroche-toi, tu peux l'avoir. Pas un spartiate, t'as pas beaucoup de cicatrices. Hein. Oh, c'est qui l'homme à l'ombre? Dépose-le dans son lit. Oui, père. Et cela qu'elle trébuche. Bah, je suppose que si j'avais pris le mec, ça aurait été le frère. Bah, elle, on voit plus le gosse qu'elle tient, en fait. Ça m'inquiète un peu, là. Ah, non, voilà, ça va. Elle tient ça comme si c'était un morceau de pain. Je saurais rentrer toute seule. Kéré. Et où mon cheval? Cheval. Cheval. Phobos. Phobos. Ah. Voilà. J'ai même pas sifflé. Oh, ok. Allez, allez, go. C'est parti. Bon, note de son, on va pas dans l'eau. Ah, ok. Et il est beau en plus. Donnez-moi mon argent. Sinon, je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chefs. Techniquement, les chefs ne bouffent pas de viande, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, Cassandra. Je vois à ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Non. Quel sourire. J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi peut-être, mais toi non. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon amie Cassandra. Elle a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Non, je n'ai... non, tu sais quoi, je vais faire 3 petits points. Elle parle peu, mais elle est terrible. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un... Combien de fois dans ma vie, j'ai toujours des situations comme ça. Merveilleuse. Oh, mais t'inquiète pas, hein, qui va s'en occuper part, pardon. Je dois rentrer. Cassandra, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Pas dans des situations telles que je dois tuer un bandit, hein. non. Si tu veux. Oh, hé, la vieille là, reviens. Oh gosh, je dois tirer à l'arc. Tire donc une flèche sur ces mannequins. C'est tout. Désolé. Non. Ah, ok, attitude. Attitude. Mais d'abord, je dois parler. Ouh ! Désolé, je voulais juste te parler. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant. Oui. Idiot. Yish ! Boum ! Oh ! Ah, ok. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Nombreuses. Un groupe est parti vers l'ouest. Mais je suis désolé, il n'y a que des gens qui passent par ici. Comment tu es sûr que ce soit eux ? Attends, pourquoi c'est marqué rouge, là ? Ah oui, non, c'est vrai, zut. Je suis en... connerie, moi, ici. Hein. Je vais me faire attraper par quelqu'un, là. Qui, bien sûr, doit avancer vers moi. Bon, je suis curieuse d'un truc. C'est un loup? Oh non, c'est un chien. Oh non, Jesus! Ah! Oui, j'ai posé qu'il s'était un chien. J'ai posé qu'il s'était un petit chien. Non, c'est un loup. Ok, bon. Il y a des loups. Il faut que j'approche discrètement. Oh, c'est pas amusant. Je vais devoir faire très attention par ici. Ah bon, pourquoi? Et quoi? Bon, c'est lui que je dois voir en premier. Est-ce que ça explose? Non. Oh, j'ai raté! Oh, come on!
J'aime bien la manière qu'il récupère les trucs, quoi. C'est juste avec une main. Chlouk. Chlouk. Ouh, 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 coucou, 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 coucou. Ah tiens, viens là. Nice, slice and dice. Prêtez pas attention à moi, je vole toutes vos affaires, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. J'arrive pas à passer, mais c'est pas grave. Bah oui, c'est bon. Je sais pas si t'es un méchant ou pas, mais je t'ai quand même fait... maintenant, je vais passer tout mon temps à récupérer des bêtises. Ah oui, tu montes sur un saut, toi, pour récupérer quelque chose, toi. On va aller retourner voir Dracula. Hein. On verse une femme. Ah, la servante de Marcos. Avec le bois dont j'ai besoin, j'espère. Non. La servante? Non, je ne crois pas, non. Je voulais dire son bras armé. 5 minutes later. Bah, j'étais allé me chercher une petite bière. Il va boire une bière. Une petite Petra. Bière corse. Bourkouap. Ici. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai aucune idée. Ah, et je me suis fait mal au doigt en plus. Pas en ouvrant la bière, mais en resserrant mon micro. Ah, punaise. Ça, c'est quoi? Recommander Marcos un outil des... ouais, non, attends. On va d'abord faire celui-là. On va gagner un peu d'XP avant de commencer à faire des conneries. Bon, mon cheval, il a disparu. Maintenant. Go. Bon, il paraît que tu peux monter les escaliers comme les chèvres. Bon, on va voir si c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Ok, pourquoi tu fais ya? Ça a rien, là, pour le moment. Ouh. Jesus. Pousse. Ouh. Ah, il... Descends. Oh my god. Il est encore en vie, le mec. Ouais, mais il m'en veut. Compréhensible, hein. Je viens de l'écraser avec un cheval. Je peux tuer le coq? Oups. Ça va, c'est pas comme dans Skyrim. Ils vont pas venir tous me tuer. Ah, te voilà. Et ce n'est pas trop... Je me suis occupé des bandits et j'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, ma chère. Ok, cool, tout le monde. Dans la prochaine épisode, on va essayer de voler un œil. Sur ce, bisous.